Alana. Je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui, Toulista. Mais tout de suite, ton trentinaire. Maintenant, ne pense plus à autre chose qu'à ton transkinèse. Visualise ton transkinèse comme une lentille et concentre toute ton énergie mentale à travers cette lentille. À présent, focalise les balles. Je ne peux pas, il y en a beaucoup trop. Tu peux y arriver, concentre-toi. N'envoie pas autant de puissance, détends-toi. Maintenant, je me retire. Tu t'en sors très bien. Tu vois que tu n'as pas besoin de moi. Concentre-toi. Non, non. Reste calme. Mais c'est ce que je fais. Retire ton transkinèse. Alana, le transkinèse n'est pas un jouet. C'est un merveilleux ustensile très puissant, mais si on ne le contrôle pas, il est extrêmement dangereux. Oui, je le sais. Et si ça avait été de vraies balles? Je suis désolée, Toulista. Ça ne sert à rien d'être désolée. Il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. Alana! 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas que tu ailles dans cette machine à remonter le temps, c'est trop dangereux. Cette capsule temporelle est sans danger, je t'assure. Pour les rats et les singes, elle n'a jamais été testée sur des êtres humains. Que se passerait-il si tu étais blessée? Mon transkinèse me protégerait. Qui plus est, le retour se fait d'office au bout de 28 jours. Tu ne m'avais pas dit que tu allais partir un mois? Un voyage dans le temps ne se passe pas comme ça. Je reviendrai dans cette époque quelques secondes après l'avoir quittée. Et excepté quelques cheveux blancs en plus, tu ne verras pas que je suis partie. Alana, tu dois être à ton cours de biologie humaine dans 15 minutes. Je n'irai pas en cours. Si, tu vas y aller. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils testent la puissance de la capsule temporelle. Elle en utilise tellement qu'ils sont obligés de la concentrer dans une station mise en orbite. Il est temps pour moi d'y aller. S'il te plaît, est-ce que je peux venir avec toi? Tu sais que c'est impossible. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Je te retrouve à la maison ce soir. Nettoie. Lave-moi. Alana, ton cours a commencé. Laisse-moi tranquille. Je voulais te rendre service. Déconnexion immédiate. Projette l'hologramme, s'il te plaît. Alana, je ne t'ai pas tout dit à propos de ma mission. Je vais retourner en l'an 2500 afin d'essayer de découvrir la cause du grand désastre.
C'était une époque violente et dangereuse où pratiquement toute vie a été supprimée de la planète. Si je ne reviens pas, je voudrais que tu saches que même si on ne devait jamais se revoir, je t'aimerais toujours autant. Non! Arva. Bruno. Je suis heureux que vous soyez là. Venez, je vous présente notre premier voyageur temporel, Dulista. Voici Arva. Très honoré, grand conseiller. C'est moi qui suis honoré. Mon transkinèse. Vous êtes une femme très courageuse. J'aurais peut-être eu le courage d'effectuer ce voyage, mais je n'aurais pas osé porter de tels vêtements. C'est ce que les femmes portaient en 2500. Je crois que nous pouvons nous réjouir du progrès. Vous êtes prête? En quoi puis-je vous être utile? Où est le laboratoire temporel? Le laboratoire temporel se situe dans le secteur 6. Ouverture. L'accès au complexe scientifique est temporairement limité. Nous devons vérifier votre fréquence vocale avant de vous laisser entrer. T'aurais pas un échantillon de la voix de Dulista? J'ai en mémoire les voix de tous vos professeurs et de tous vos tuteurs. Répète ce que je vais dire avec la voix de Dulista. Je suis l'historienne Dulista. Mais c'est faux. Contente-toi de faire ce que je te dis. Je suis l'historienne Dulista. Je suis désolé Dulista, mais nous voulons une autre preuve de votre identité. Veuillez poser votre main sur le détecteur sensoriel. Oh, c'est pas vrai. Il faut que tu me montres les autres entrées du laboratoire. Ce conduit d'énergie mène directement aux récepteurs qui sont sous les générateurs temporels. Une échelle de secours permet d'accéder au laboratoire temporel. Comment je peux entrer dans ce conduit? Il y a une issue de secours à 500 mètres au nord de ce terminal. Cette capsule temporelle est équipée du meilleur système informatique qui soit. Sa mémoire contient tout ce que nous savons sur l'histoire du monde avant le grand désastre. J'espère revenir en sachant pourquoi nos ancêtres étaient de tels destructeurs. Nos vœux vous accompagnent. Programmez l'instructeur de distance sur l'année 2500. Instructeur programmé. Prêt? Oui. Attention, il est dangereux de pénétrer dans ce conduit. Attention, il est dangereux de pénétrer dans ce conduit. Système final verrouillé. Programme enregistré.
Préparez-vous à recevoir le flux d'énergie. Phase de décollage. Ça va être à vous, Twist. Bonne chance. Elle est déjà revenue. Je tue le premier qui bouge. Ainsi, voici l'année 3000. Tiens, Toulistin a eu le temps de tout me raconter, y compris le fait que vous n'avez aucune arme. J'ai du mal à le croire. Un vaurien comme moi qui tient le monde entier en otage avec une arme minable. Je m'appelle Silverthorn. J'ai quelques revendications à formuler. Je veux parler à celui qui vous gouverne. Je suis Arva, chef du Conseil de la Terre. Qu'est-ce que vous voulez ? Votre place pour commencer. Morteuse, tu m'avais pas parlé de cette arme. Toulista ! Alana, non ! Si vous remettez ça, je la tue. Laissez cet enfant. Nous pouvons vous aider. Ah, je connais d'où je viens, ça veut dire lavage de cerveau. D'accord. Si je ne peux pas contrôler le futur, je contrôlerai le passé. Alana ! Bruno, coupez le générateur, il sait faire fonctionner la capsule. Où va-t-il l'emmener ? Où qu'il aille, les êtres sont primitifs et dangereux. Lana n'aura aucune chance de s'en sortir. Jenny! 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 Est-ce que tu es sourde? On peut pas jouer doucement, maman.
Ton frère voudrait bien dormir et je me demande ce que pensent les voisins. On s'en fiche. Que tu le veuilles ou non, j'ai une boutique à faire tourner et nous devons être aimables. Personne ne l'est avec moi. D'accord, raconte. Marianne m'a pas invitée à son anniversaire ce soir. Tous les autres l'ont été. Elle a peut-être tout simplement oublié. Elle t'invitera la prochaine fois. Pas quand elle aura ouvert le cadeau que je lui ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te souviens de la petite souris qu'on a tuée l'autre jour? Tu n'as pas fait ça. J'aimerais tellement être là quand elle l'ouvrira. Ce sera génial. Jenny Kelly, je trouve que tu ressembles de plus en plus à ton père. Je veux pas être comme lui. Allez, viens me donner un petit coup de main. Ensuite, on regardera une cassette. Si tu veux. Allez, viens. Est-ce que tu détestes papa pour ce qu'il t'a fait? Jenny, je ne déteste pas ton père. Parfois, j'aimerais le tuer. Quand il vous envoie, toi et à ton frère, des cadeaux hors de prix et qu'il ne paie pas le collège. Mais je ne te déteste pas. Ouais, mais s'il nous avait pas lâchés, on n'aurait pas eu besoin de déménager et tu travaillerais pas dans ce magasin idiot. Mais je l'aime, cette boutique. J'ai grandi dans un magasin comme celui-là. J'aime gagner mon propre argent et j'aime les gens qui entrent ici. Ouais, mais pourquoi t'as pas monté une boutique de vêtements? Parce que j'ai deux enfants qui ont toujours faim. Et je pensais que si le boulot ne marchait pas, on pourrait se nourrir sur les réserves. Jusqu'à ce que tu deviennes riche avec la musique. 4 ans à manger des haricots blancs, je ferais mieux d'apprendre à jouer d'un instrument avant. Cherche plutôt la cassette vidéo que t'as envie de regarder. Que penses-tu des monstres de la planète irradiée? Non, je n'aime pas ce genre de films, Jenny. Ils sont trop violents. Maman, c'est marrant, il y a le sang qui fait vraiment factice. Quand le sais-tu? Peter et moi, on l'a regardé pendant que tu prenais ta leçon de conduite. Jenny, tu sais qu'il fait des cauchemars. Quand je te confie le magasin, j'aimerais pouvoir te faire confiance. Que penses-tu de l'attaque des zombies? Non, et ne pousse pas le bouchon trop loin. Sors-moi ce casier de bouteilles vides. Je les sauve. Les extraterrestres vont vous attaquer. Faites attention, ils sont derrière vous. Ouais, bravo les gars, ils sont hors d'état. Tu es censé dormir à poids fermé. Maman t'avait demandé de ne plus voler de chips. Combien m'as-tu piqué encore, hein? J'ai appris ça dans la chambre de maman. Elle l'avait mise dans un tiroir. Donne-moi ça. J'aimerais tant qu'il soit là. Ouais, ben il est pas là. Ah, n'aie pas peur, je dirai rien pour la photo. Wow, une soucoupe volante. Non, c'est un jumbo jet. J'espère qu'il va aller s'écraser chez Maria. Il faut sortir d'ici!